cause de Nice, l'astronome. Prophète doit avoir des fidèles. Cocos de Nicée fut l'un des premiers. Considéré comme un hérétique dans sa ville natale, Cocos rejoignit le pèlerinage vers le nord. Sa connaissance des étoiles contribua à orienter le groupe. On raconte que Cocos et le prophète pouvaient s'asseoir des heures durant sous les étoiles pour débattre de la nature de l'univers et de la place incertaine de l'homme à l'intérieur. Pour le prophète, il construisit un planétaire, de sorte que même pendant l'obscurité de l'hiver, il pouvait contempler le ciel nocturne. Je peux pas faire grand-chose pour l'instant. À toutes les unités. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne.
Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise, que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. À nos ordres, Constantin a quitté la prison. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. Oh. C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec trois mecs armés devant lui. Rien que ça. Je sais pas comment... Hein? Je vais voir ce que c'est. Fais gaffe. Ah oh. Il y en a d'autres qui arrivent. Thank you.
sais que j'ai déjà accepté des boulots illégaux et que ça ne te plaît pas. Mais je pouvais pas refuser ce contrat. Ça fait des années que j'essaie de décrocher un job pour les Trinitaires. Ils sont discrets, paient bien, et il y a toujours quelque chose à faire. Mais maintenant que j'y suis, je veux tout plaquer. Nous sommes dans une installation soviétique désaffectée au beau milieu de nulle part. Personne ne dit ce qui se passe aux Troussions que nous sommes. Mais je me demande si je suis pas en train d'aider une bande de cinglés à mettre la main sur une bombe nucléaire ou un autre truc dans le genre. Réponds-moi si tu reçois ce message. J'ai sécurisé un canal sur le réseau. J'aurais imaginé qu'une opération de cette envergure aurait un système de sécurité digne de ce nom. Mais ce doit être pour ça qu'ils m'ont engagé. L'armée rouge arrive. Cela fait des semaines que je les observe, tandis que des centaines d'hommes construisent le monstre de fer sur la glace. Beaucoup d'entre eux sont morts, leurs corps gelés, éparpillés dans la toundra. Aucun rite funéraire, pas d'enterrement ni de crémation. Ces envahisseurs sont des hommes cruels et sans foi. Viennent-ils pour piller les métaux précieux de la montagne? Ou, comme tant d'autres avant eux, sont-ils attirés par la source divine? Mon peuple doit à nouveau se préparer pour la guerre. Thank you.
Oh non. Non, non, non. Cette mission. Oui, monsieur. On s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Doucement. Doucement. J'ai peur de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèle, et vous partagerez la gloire de la source divine. S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Que personne ne le touche. Attention, on nous attaque! Détruire ce réservoir.
Encore de la propagande soviétique. La nuit ne nous empêchera pas de travailler.